Vous serez là pour nous faire partager votre passion de la musique et ça. Exactement. En fait, j'ai fait une sélection pour chacun de nous, un disque pour chaque humeur, en fait. Je vous ai concocté une sorte de kit de survie musicale. Alors, si par exemple, vous êtes victime, je ne sais pas moi, d'une baisse de tension ou vous avez le moral qui défaille un petit peu, en attendant le printemps, j'ai un remède. Ça s'appelle Elefunk. C'est la soul, du jazz. On regarde le clip. Pour les hystériques, un bon Kerenan, ça calme tout de suite et ça a une affreuse plume du moment de la chanson française. Je sais, là, elle chante en anglais, c'est vrai. Son dernier album, Not Going Anywhere, est en anglais, mais c'est juste parce qu'elle est bilingue. Donc on lui en c'est veut pas. C'est pas une coquetterie. Ce n'est pas une fantaisie commerciale, c'est juste parce qu'elle est bilingue. C'est non, à elle bien, qu'on mais... doit le grand retour dans Henri Salvador. Absolument. Voilà. Alors maintenant, pour les gens qui sont simplement bien... Ça arrive, hein, de bonne humeur tout le temps. Le rock de l'année, c'est les White Day au Zénith de Paris. Si vous perdez maintenant confiance en vous, que vous êtes un peu introverti et que vous êtes une femme, la solution, c'est une femme qui rappe. Et ça existe depuis que Diams est arrivée en France. Vous connaissez tous déjà Diams. Et grâce à elle, vous savez, le rap n'est plus une histoire de poils sur le torse. On regarde Diams, son dernier single, ça s'appelle Incassable. Je suis pas une blonde platine. Non. Laisse-moi kiffer la vague avec mon mec. Ah, voilà. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. C'est bon? C'est bon pour la tête. Il faut avoir ce disque parce qu'en plus, sur ce disque, il y a un flûtique. Retenez bien ce nom. C'est un musicien absolument génial. C'est en plus une bête de scène et il passe bientôt en concert à Paris. Ça vous aurait également du Chopin, du Brahms. C'est un très un sondage.